Cyril Hanouna et l'équipe de Touche pas à mon poste rebondissent chaque soir sur l'actualité. Ce 27 octobre, l'animateur de 47 ans et ses chroniqueurs ont reçu Bruno Pomard, ancien policier instructeur du RAID, et Samantha, prostituée transsexuelle qui travaille depuis 26 ans au Bois de Boulogne, afin d'évoquer l'affaire Anne de Herrera. Le joueur du Paris Saint-Germain s'est fait voler 200 euros dans la soirée de mardi 26 octobre par une prostituée, alors qu'il était arrêté à un feu rouge au Bois de Boulogne, à Paris, comme l'a révélé Valeurs Actuelles. Le footballeur a déposé plainte pour vol, mais le peu de détails qu'il a donné a été mis à mal par Samantha. En effet, cette dernière a assuré à Cyril Hanouna que ni elle ni ses collègues ne travaillent près des feux de circulation pour des raisons de sécurité. Aucune prostituée ne travaille à proximité d'un feu pour éviter les carambolages. On ne se met pas le long des feux ou des croisements, on essaye de se mettre au moins à 20 mètres, en retrait. Donc si est-ce impossible, a déclaré la jeune femme sur le plateau de TPMP. Avant d'avancer son hypothèse, il a peut-être négocié avec la fille, il a dû lui dire « je suis footballeur, j'ai beaucoup de sous », il lui a passé 50 euros mais elle a dû voir son portefeuille puis est arrivé ce qui est arrivé. Pour Samantha comme pour Bruno Pomard, l'ancien policier, une question se pose, pourquoi Anne de Herrera n'a-t-il pas bloqué l'accès à son véhicule? Toutes les voitures ont des systèmes de verrouillage automatique, a martelé Samantha.